Et le concept de la culotte en friperie. Et surtout la culotte de règles en friperie. Oh, allez, relax, relax. On va plutôt acheter du neuf, si vous me le permettez. On achète bien des couches lavables d'occasion. Pourquoi pas des culottes, hein? Ouais, non, même, non, moi, je sais même pas. Non, pas non, je sais pas, même la couche lavable, je sais pas si... Oh, écoutez, c'est tellement c'est mignon. C'est moi seule, Marie, faites-moi penser à autre chose. Ah, bon, désolée, non, on va parler des règles, évidemment. Alors, comment on aborde le sujet, à partir de quel âge? Parce que c'est vrai que nos enfants, eh bien, c'est toujours le moment où on s'y attend le moins, que la question arrive, qu'on ait des filles ou des garçons. Alors, la littérature jeunesse vient à notre secours. Je vous ai mâché le boulot, comme toujours. Avec l'arrivée de la puberté, les hormones s'activent, le corps se transforme, tout est chamboulé. Et l'arrivée des règles vient parfois poser quelques problèmes à nos jeunes filles. Et oui, comment aborder cette thématique? Comment en parler? Et sous quel angle? Et à quel moment? Bref, toutes ces questions que nous allons aborder. Comme pour tous les sujets un peu compliqués, le plus tôt on en parle, le mieux c'est, parce que l'idée est de banaliser ce cycle menstruel. Alors évidemment, on ne va pas parler aux tout jeunes enfants des règles, mais on va pouvoir aborder notre propre cycle menstruel en parlant de notre fatigue, éventuellement de nos sautes d'humeur ou bien de notre regain d'énergie, car tous les cycles sont différents. Bref, en faire un sujet dont on parle sans tabou à la maison, c'est déjà un bon plan. Pour bien comprendre le cycle menstruel, eh bien, il faut connaître son corps dans les moindres détails, notamment son appareil génital, qu'on soit une fille ou un garçon. Alors là, franchement, n'exagérez pas, je vous ai déjà fait plein de sélections d'ouvrages sur le sujet, potassé. Parce qu'il n'est pas toujours évident de parler de ses règles avec ses parents, vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous chez un professionnel de santé pour votre fille, votre préadolescente ou votre adolescente qui va avoir ou qui a ses règles. Les sages-femmes, par exemple, proposent bien souvent des premiers rendez-vous, ou les gynécologues également, pour prendre contact, que l'adolescente puisse poser ses questions, qu'on puisse lui répondre, qu'on puisse lui expliquer sans les petites oreilles des parents. Get ready for this. Premier ouvrage à vous recommander, cette petite pépite coécrite par Anna Roy et Mademoiselle Caroline qui propose une approche sans tabou des règles. Dans cet ouvrage, vous trouverez toutes les réponses aux questions de vos enfants et aux vôtres, j'en suis certaine. Ce bouquin est vraiment superbe. Sur un ton à la fois humoristique et poétique, l'autrice va raconter des anecdotes personnelles, va emmener le lecteur dans un cheminement pour briser enfin le tabou des règles construit depuis des siècles et donner à vivre ces moments de vie, ces cycles féminins de manière positive et plutôt poétique. Et voici un autre guide pratique que j'ai beaucoup aimé. Il se construit sous la forme de questions-réponses entre l'autrice et une préado qui va aborder évidemment tout ce qui lui passe par la tête à propos des règles. On a donc des conseils très pratiques, des réflexions, des avancées techniques sur les protections à utiliser et puis une mise à mal de tous les préjugés entre règles et contraception. Bref, c'est une bille. Get ready for this. Vous avez noté? Vous allez aller à la médiathèque? Je vais aller à la médiathèque. Mais écoutez, je suis en train de me garer devant, vous le voyez pas? J'ai filmé. Écoutez, franchement. Bon, évidemment, petite sélection culotte, entre autres. Alors non, c'est justement pas culotte, mais c'était pour vous résumer un peu ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Parce que ça vraiment, alors nous, on n'est pas très très vieilles, mais quand même, ça n'existait pas de notre temps, mesdames. Toutes les protections qu'on peut proposer à nos jeunes filles, qui sont quand même bien plus confortables que nos toilettes, nos serviettes 6 étages qu'on se collait dans les culottes. Alors, il existe deux types de protections hygiéniques. Aujourd'hui, ce sont les protections hygiéniques jetables ou lavables. Alors, les jetables, on ne va pas se mentir, même si ça reste un déchet, c'est quand même très pratique pour nos jeunes filles au collège, au lycée, plutôt que de se trimballer un truc lavable qu'on va devoir garder dans son cartable. Oui, c'est ça. Puis en plus, on sait, voilà, lavable. Après, à partir du moment où on se dit, ah là là, je ne m'attendais pas à avoir un flux comme ça. Il faut le changer, donc il faut le garder. Enfin, c'est compliqué au collège. Au collège, c'est compliqué, surtout que les toilettes du collège, on sait que ça peut toujours être un petit souci. Voilà, c'est ouvert de partout, en haut, en bas, à l'enfer. C'est un peu ça. Oui, les gens peuvent passer dessus, dessous. Ouais, c'est merveilleux. Quel bon regardez par dessus. Non, moi, je me souviens. Je me vois en train de, évidemment, faire pipi en extension. En tenant la porte pour pas quelqu'un en l'ouvre. En tenant la porte avec, tout à coup, tu fais comme ça et t'as une tête. Hey, voilà, non, mais merci. Ou qui balançait du papier toilette. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Il existe quelle vie vous avez eue. On a une vie de dingue. Il existe des protections donc jetables.
Évidemment, comme on n'a pas envie de mettre n'importe quoi dans les culottes de nos jeunes filles, on va se diriger vers des protections qui évitent de contenir du chlore, du phtalate, du pétrole et tutti quanti. Alors, celles-ci, je les ai trouvées très bien. C'est une marque coréenne, étonnamment. Alors, vous allez me dire, c'est pas très développement durable. Oui, mais alors, elles sont super bien. Elles absorbent et surtout, elles n'ont absolument aucun produit toxique. Donc, elles sont super. Et alors, elles ont quand même une contenance et une largeur qui est pas mal. Et elles sont discrètes en même temps. Mais ouais, elles sont top. Donc, elles sont vraiment très très bien. Autre marque que j'ai beaucoup aimée. Mieux que celle qu'on a nous en France là qu'on connaît. Eh ben en fait l'intérieur, alors l'intérieur des celles qu'on va acheter en supermarché, celle-là, les plus classiques. Oh, celles-ci elles sont très bien aussi. C'est pareil. Celles-ci hein. Elles sont sur abonnement en fait. Ah, les Joe elles sont sur abonnement. Celles-ci on peut les trouver en grande surface ou en magasin bio. Contrairement aux Joe qui sont donc sur abonnement, le principe est simple. On va sur le site, on remplit un petit peu son flux, on remplit ses besoins et on reçoit par colis en fait tout ce dont on va avoir besoin. Il y a évidemment dans la majorité de ces marques-là, en plus des actions solidaires, c'est-à-dire qu'ils vont faire des dons, tenez une petite serviette pour que vous puissiez tâter. Bref, c'est vraiment pas mal. Joe, ils ont aussi créé un petit coffret pour les jeunes filles qui est super bien, avec donc les premières serviettes, le petit guide de survie, une petite pochette pour les emmener au collège. Donc ça, c'est super bien. Et ensuite, il existe tout ce qui est lavable. Donc, on a chez les tendances d'Emma les protège slip. Vous allez voir, le lavable, c'est toujours un petit peu le même principe. On a une petite matière un peu peau de pêche qu'on va mettre dans son slip. Et ça, c'est confortable. Toujours des boutons pression qu'on va venir accrocher au fond de la culotte. Quand c'est souillé, on retourne, on met au lavage. Ça, c'est très pratique. Après, évidemment, le mieux, c'est d'avoir... C'est un peu petit, moi. Alors, ça, c'est vraiment le protège slip à mettre plus... Éventuellement. Ça, c'est pas pour quand on a ses règles, quand même. Non, d'un petit tampon ou d'une cup. Mais c'est vrai que les jeunes filles n'aiment pas trop mettre ni cup qu'on s'introduit dans le vagin, ni tampon. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu ses premiers rapports. C'est pas toujours très agréable. Donc, les culottes menstruelles, pour le coup, sont super. Alors là, je vous ai ramené une Smoon qui fait pour les filles 12-14 ans. Donc, ça, c'est top. La matière est sympa. Et sur la majorité des sites, j'ai déjà fait pas mal de tutos. Oui. Vous le verrez, on a des culottes différentes selon le flux, la coupe. Et alors, on a aussi une marque que j'ai découvert qui est très sympa. Moi, je conseille pour la nuit de prendre une taille en plus. Hein. Oui, pour la nuit, on n'a pas envie d'être... Et la marque Solki qui lance des maillots de bain aussi menstruels pour cet été. Vous le voyez pour les jeunes filles. Alors là aussi, on a des coupes différentes, taille haute, taille basse, le petit haut bikini qui est plutôt sympa. Génial. Donc ça, c'est vraiment des avancées. Ça permet. Alors c'est pas tant quand on se baigne parce qu'on sait quand on se baigne c'est moins problématique. Mais si on est sur la plage et qu'on a ses règles, on n'a pas envie évidemment d'avoir la petite fuite. Donc voilà. Et alors je vous recommande. Attends, juste une question. Dites-moi. Les culottes là de règles comme celle-là. Oui. Quand on a de l'endométriose et que donc on a un flux. On peut les coupler avec une serviette en plus si on veut. Vraiment éviter les fuites. D'accord, mais ils n'ont pas fait des spéciales. Il y a des flux abondants. Il y en a même après le postpartum, quand on a ce qu'on appelle... Oui, là, c'est plus abondant. Là, vraiment, c'est très abondant. Donc, on peut avoir des culottes très, très épaisses. Là, j'ai vraiment pris les plus fines pour vous montrer, mais c'est vrai qu'on a vraiment toutes les tailles. Et donc, il existe des ateliers aussi auxquels on peut s'inscrire avec nos filles. Alors, il y a Kiffe ton cycle, on le connaît, il y a les règles élémentaires et puis il y a Cycle au chaud que nous a conseillé Carole qui est ici en régie, qu'elle a fait avec sa fille et qui a dit c'est génial parce qu'on est autour d'une table avec sa fille, on manipule, on apprend et il y a aussi un professionnel qui intervient et des fois c'est plus facile d'avoir un professionnel pour parler de tout ça. Ça va, Oussem ? J'ai hâte d'avoir une fille. Oui, écoutez, je mets tout ça de côté, mon petit. J'ai hâte. Hein ? À partir du moment où vous allez avoir une fille, c'est vous qui allez faire tout le boulot expliquer, parce que quand vous faites la maison des maternelles, bon, faut tout expliquer. Merci beaucoup, merci Marie.